lieu de maths demain là et personne n'a révisé. Oh, oh madre mia. On a même pas une journée en plus pour réviser. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi. Je sais pas. On va réviser non? Ça, c'est une super bonne ouais. idée. Ouais, un diamant à la partie. Bon bah les gars, comme quoi c'est pas super compliqué ces maths au final. Les maths c'est tout le temps pareil, hein, ouais. tu révises 10 minutes, t'as 18, y'a aucun effort à faire. Ouais, c'est ouais, ça. Les gars. Qu'est-ce qu'il... Oh non 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 non. Madre mia. Ma dove sono le tabelle. When you get what you want, but not what you need. Ma dove sono le tabelle. When you feel so tired, but you... Comprends rien. C'est tous les tableaux qui sont faits voler! Les ex-artistes, ils n'ont plus rien! Nous sommes obligés d'interrompre toutes vos informations en direct. Nous sommes désolés pour cela. Les ex-artistes viennent de se faire voler tous leurs tableaux. Les mimes sont les principaux suspects dans cette affaire. Mais les meilleurs détectives, les détectives de l'IUT, sont sur le coup. Notre reporter en direct, Michel-Ange, vous en parlera mieux que moi. Ils nous ont tout pris là! Mais on n'a plus rien là, ils nous ont tout volé! On a perdu la Joconde, on a perdu le cri. Là vraiment, je sais plus ce qu'on va faire. Là, je sais plus quoi faire. Attends, je crois qu'ils arrivent. Oula. Ok. Les gars, là, il faut absolument que je vous explique le truc. Allez-y. On a perdu le cri, on a perdu la Joconde, on a perdu la Joconde. C'est des tableaux qui valent des millions, c'est des références dans l'art, et là, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme ça, on n'est pas capable de surveiller ses affaires pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Faut quand même pas être hyper malin pour partir 12 minutes et perdre l'entièreté de ses tableaux. Tabelo, perché? Mais comme il dit, là, c'est... Perché? C'est horrible, c'est horrible gars, ce qui est en train de se passer. Gars, on sait très bien pourquoi vous êtes partis et pourquoi ils ont pu entrer librement. Vous êtes allés faire des maths. Des maths, ouais. Oui, ils ont fait des maths. Je vous jure, ils ont fait des maths, ouais. Mais comme si c'était de notre faute. Bah, vous avez fait des maths, voilà. Mais rassurez-vous, vous avez de la chance quand même qu'ils nous aient envoyé nous. Les meilleurs détectives du campus. Rassurez-vous, d'ici ce soir, cette affaire, elle est pliée. Merci beaucoup. Les gars, le plan, il est super simple. Je connais des gens très très forts, des gens extrêmement performants, des contacts très haut placés. D'ici ce soir, vos tabellos, ils sont dans la poche. Et les mimes, on n'entend plus jamais parler. On va aller voir un allié très très précieux. J'ai nommé le professeur Aimé Lachal. Okay, ouais. Allez, venez, on va le voir tout de suite. Ça peut-être bien tombé, finalement, mais c'est quoi ce truc-là, voilà. Attendez, avant de partir, là. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'ils ont laissé ça, là. On vous attend ici, signé les mimes. Ah, ça doit être hyper important, ce truc-là. Ouais, important, ouais. Ça, un indice. Ouais, non. Bon. Après, on connaît pas. Bon, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, on le prend. Mais je pense pas que ce soit hyper utile. Allez, on y va. Bonjour, monsieur Lachal.
Vous avez sûrement entendu parler des informations. Avez ? C'est une véritable désolation qui va plonger l'entière communauté insalienne dans une réaction endémique, que dis-je, paroxystique. C'est exactement ça. Mais figurez-vous que c'est nous qui sommes en charge de cette affaire. Et justement, on se demandait si vous pouviez user de vos talents mathématiques pour nous aider à retrouver les mimes. Ah, dois-je subsumer que vous invoquiez Deus Ex Machina ? Auriez-vous besoin de quelques mathématiques prodromiques du grand thaumaturge local ? En effet, si vous pouviez ne serait-ce que déterminer un périmètre dans lequel il serait extrêmement probable qu'il soit, vous seriez vraiment un héros local. Vous comptez sur l'indicible mansuétude ? À la sortie de l'ineffable munificence ? Du grand gourou la chaloux, adoré, vénéré, adulé, que dis-je, encensé ? Pauvre ingénu, ça devrait être bien long. Je subodore la trivialité quasi apodictique. Bien, alors donc il s'agit du célèbre problème de la ruine du joueur en dimension 2 pour le mouvement brownien. Trivial. Je rappelle que le Laplacien s'exprime en coordonnées polaires selon la dérivée seconde partielle par rapport à R deux fois, plus 1 sur R la dérivée partielle trivialement. Lever le système qui est on ne peut plus trivial. Lorentzianos. Une propriété d'isotropie trivialement. Du mouvement brownien. Elle, ça veut dire que le mouvement brownien. Fonction de Bessel K0 modifiée, qui s'appelle aussi fonction de McDonald's, par exemple, de 0 à l'infini, de cosinus T sur racine de. Ça se résout quasiment trivialement. Petit système de deux équations et deux inconnues. Ça, c'est le cours de l'école ça communale. Ça. Ça, 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 ça. La première, et puis la deuxième, ça fois ça, moins ça fois ça, sur, ça fois ça, moins ça fois ça. Le disjoint plus 1 sur R, bon. La dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à R, trivialement. 2 hours later. Partant du point bêta, on s'approche du point quasi-polaire K, avec la probabilité ainsi obtenue. C'était une trivialité vraiment apodictique. Merci, monsieur Lachal. Vos résultats sont très utiles pour... Pour nos recherches, hein, ouais, hein ouais. Oui. Ouais. Merci, on y va, faisons vite. Je vous en prie, jeune néophyte. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur l'immarcessible objectivité de votre humble serviteur. Les gars, là, je sais pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas, là, pour moi, c'était évident, quoi. La chale leur a dit, c'est à la cafette. Et ils ne comprennent pas, ils commencent à partir. Oh, on sait pas où est-ce que c'est, etc. Enfin, je doute, est-ce que c'est vraiment des inspecteurs, ces gars? Je te trouve un peu méchant avec eux, quand même. Ils viennent de l'IUT. Ouais. C'est les meilleurs détectives du campus. Merci, ragazzi. Ils ont sûrement un plan. Alors? On vous explique, l'heure est grave. Les résultats du professeur Lachal, ils ne nous permettent vraiment pas d'identifier où sont les mimes. On sait pas par où commencer, enfin... On sait pas. Il nous reste qu'une dernière solution. C'est d'étudier l'indice qu'ils vous ont laissé. Ouais, ouais. J'ai plein de contacts, j'en ai encore un. Celui-là, il va être utile, j'en suis sûr. Ça va le faire. Le gobelet, ça me dit quelque chose. On va faire un petit test pour voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Et voilà! L'essence qu'on extrait du blé, liquide magir, l'accompagnait d'où l'histoire des humaines. Je pense que vous savez exactement où vous allez trouver votre peinture. Vous l'avez dit qu'il était pourri votre indice. À cause de vous, on est perdu. Je vois vraiment pas où on peut trouver ce genre de boisson à l'INSA. Non mais ragazzi, depuis le début, on sait tous. Ça l'a déjà fait, tout le monde le dit. Le prof vient encore de leur démontrer. Vous êtes tous sur une autre planète. Mais vous êtes chiants, c'est fou. Allez, on y va, on reprend les rênes en main. Allez, on y va. Ah, la cafette, le repère des mimes. Sans aucun doute, ils sont là. Tous les indices mènent ici. Les gars, c'est fermé, là. Le rideau, il est fermé. On ne peut pas rentrer là-dedans, là. C'est quoi que vous comprenez pas, oh? Depuis tout à l'heure, vous ne comprenez rien. Ah ouais, c'est fermé. Ah!
Regardez-les comme ils sont inutiles. Non, faut faire quelque chose. Ah mais c'est vrai, il faut aller chercher les tabelo. Clairement. Là-haut. Quoi là-bas? Ils dansent au fond. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon vraiment, je suis sûr que t'as d'être ça, hein, c'est pas le problème, mais juste, on comprend que dalle quoi, donc est-ce que quelqu'un peut nous... peut-être nous faire... Ouais. T'as besoin qu'on t'explique peut-être? Ouais, la traduction. Parce que vraiment, c'était pas compliqué, hein. Je te traduis. Il a juste dit, en gros, tu reprendras jamais tes tableaux parce qu'on est en train de faire une murale pour les protéger. Ma photo! Toi, bouge pas! Ma photo! Tabello, mais tabello! Tableau! Buongiorno! Buongiorno, come stai? Buongiorno. Ok, ragazzi, abbiamo finito! Andiamo! Andiamo!